Bonjour docteur, alors voilà, je suis joueur de tennis professionnel, comme je joue tous les jours et l'épaule est vraiment mise à contribution, je voulais savoir comment anticiper ou prévenir les douleurs récurrentes à l'épaule. Donc effectivement, l'épaule est clairement surchargée dans le tennis, comme vous le savez bien, c'est clairement une pathologie de surcharge, c'est la répétition, en particulier des services, des smashs, des coups droits qui va provoquer ça, qui va en fait provoquer un déséquilibre finalement dans cette épaule. À savoir qu'une épaule est une articulation qui n'est pas très stable d'un point de vue osseux et qui a besoin d'une stabilité musculaire, ligamentaire et d'une capsule. Dans le cadre de la prévention, chez vous qui faites ça de manière quotidienne, effectivement, il faut essayer de garder une bonne mobilité, en particulier de ce qu'on appelle la rotation interne, qui a tendance à diminuer, une bonne force de ce qu'on appelle la rotation externe, et puis après, naturellement, de planifier son entraînement pour éviter d'avoir une surcharge de mouvements type service qui est trop importante sur certaines périodes. Et ça devrait permettre de pouvoir juguler les blessures récurrentes. Au Centre de médecine du sport et de l'exercice, nous prenons en compte votre profil et sommes à l'écoute de vos besoins. Traiter une blessure, optimiser vos performances sportives, reprendre une activité, notre équipe de médecins et de spécialistes expérimentés vous permettra d'atteindre vos objectifs. Car votre force, c'est vous. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et connectez-vous sur notre site internet.